au sol. Donc dans le mode au sol, le drone est par terre, les moteurs sont éteints, il n'est donc pas possible de se déplacer. Il est seulement possible de changer de mode de caméra et de décoller. Lorsque nous décollons, nous arrivons dans le mode vertical, ce qui permet ainsi aux danseurs de prendre de l'altitude plus rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons mis des couleurs assez différentes pour les différents modes, afin de pouvoir repérer d'un seul coup d'œil le mode dans lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle. Donc, le mode vertical permet de se déplacer vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Et donc, à l'aide d'une simple tape, il est possible d'arriver dans le mode horizontal. Donc, dans le mode horizontal, il est possible de déplacer le drone sur le plan horizontal, c'est-à-dire vers l'avant, l'arrière, la droite et la gauche, toujours en déplaçant le terminal dans le sens dans lequel nous voulons que le drone se déplace. Et aussi, il est possible, donc, depuis les modes horizontal ou vertical, de passer en mode immobile à l'aide d'une double tape sur l'écran. Donc, le mode immobile permet de laisser le drone en vol stationnaire pendant que l'utilisateur se déplace sans qu'aucun de ces déplacements du terminal ne soit pris en compte le drone. Ce qui permet par exemple pour le danseur de rester, de se repositionner pendant une chorégraphie ou de faire une chorégraphie indépendante de celle du drone. Ensuite, depuis le mode immobile, à l'aide d'une simple tape sur l'écran, nous pouvons passer en mode rotation. Le mode rotation nous permet de faire tourner le drone sur lui-même soit vers la droite, soit vers la gauche, selon le sens du déplacement du terminal. Ah bah c'est pas mal! Vous me la faites monter? Oui. La côté de toi, donc c'est pas mal. Ah, ben, je comprends.